La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Soit toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous confie à rechercher la prière authentique dans notre vie, prier d'une façon authentique. Jésus, dans la grande illustration, fait appel à cette parabole du pharisien, du publicain. La part de l'évangile, Saint-Luc, nous relate cela. Et on voit que le pharisien, lui, s'évente. D'être un homme pieux, un homme de grandes valeurs, un homme qui fait bien, bien aimé dans le Christ, tandis que les publicains se frappent la poitrine pour dire il est un pauvre, un pauvre pêcheur et il ne peut même pas lever ses yeux pour regarder à côté, bien aimé dans le Christ. Connaissez-vous quelqu'un qui croit avoir toujours raison? Avez-vous les sentiments qui traite traitent les autres? avec mépris ou supériorité. Si la réponse est positive, vous avez alors identifié comment se comporte le personne. Vaniteuse. Le pharisien, lui, se présente comme une personne vaniteuse. Les personnes au pluriel, les personnes vaniteuses, montrent à travers ce type d'attitude qu'elles s'idolâtrent autant qu'elles méprisent les autres. Voilà pourquoi il est quand même important de rappeler ce que c'est une vanité. La vanité est définie comme l'orgueil et la valorisation excessive de ses propres mérite et capacité. Bien-aimés dans le Christ, quand nous regardons, nous entrons dans les profonds de cette parabole du pharisien du publicain, nous pouvons nous situer, sommes-nous pharisiens ou sommes-nous publicains Si... Nous faisons un examen des consciences et nous nous réalisons que nous sommes des personnes vaniteuses. Ça veut dire que nous sommes des personnes qui supposent que les autres les tiennent toujours à très haute estime, que les autres les considèrent toujours et qu'ils se situent au niveau plus élevé. Que notre comportement ou notre personnalité se compose d'un excès d'arrogance et d'orgueil. Nous devons le savoir. Quand. Nous voulons toujours parler de nous-mêmes. Quand nous voulons que nous ne puissions être au centre de tout, nous sommes des personnes vaniteuses. Nous sommes comme ce pharisien qui se dit lui, c'est un homme de bien. Lui, il fait toujours bien. En fait, tout tourne autour de lui. Sa prière est une prière autour de lui. C'est un élément bouclé. Il n'y a pas une relation entre lui et notre Dieu, parce que lui, il parle de lui-même, bien aimé dans le Christ. Le pharisien déclenche dans son comportement ou dans sa prière l'arrogance et l'orgueil. Vous voyez que l'arrogance la, c'est vraiment cette façon de voir les choses que on est, on est bien quoi. on fait bien on est on est celui qui, qui peut tout faire on est on connaît des choses on est en réalité de personnes ou une personne hautaine mais tout simplement on, on voudrait cacher quelque chose mais l'arrogance nous trahit toujours bien aimé dans le christ il se peut que notre suffisance et notre fierté passent inaperçues au quotidien mais mais qu'elle trouve dans une situation un peu plus engagée, l'arrogance surgit toujours, sans possibilité de les contrôler, de les cacher. Ça arrive toujours. Nous devons plutôt rechercher l'humilité dans notre vie. Nous devons laisser la vanité à ceux qui n'ont rien d'autre à nous montrer. Un chrétien ne peut pas s'éberner dans la vanité. Laissez ça aux païens. Un chrétien n'est pas une personne vaniteuse, mais plutôt une de bien. Ce bien simple. Un bien que tout le monde peut lire, que tout le monde peut toucher et tout le monde peut palper. Un bien qui déclenche la vie. Un bien qui respecte la vie. Les personnes vaniteuses ressentent un amour disportionné envers elles-mêmes et vivent dans un monde de fantasmes excessifs, de réussite, de puissance et de beauté. Bien aimé dans le Christ. Cette façon de faire rend prétentieuses les personnes. Les personnes s'adorent. Il y a une espèce d'autosuffisance, auto auto-évaluation. On, on se dit, je suis un homme de bien. Le pharisien, lui, s'est dit, lui, il prie. Lui, il fait l'aumône trois fois par semaine. Il gêne. Il respecte toutes les lois de l'Église. Et nous pouvons nous frotter en l'homme pour dire, nous respectons ceci ou cela. Mais en réalité, nous sommes à, nous sommes à côté de la, de la plaque, bien-aimés dans le Christ. Et c'est là, vous savez, que l'arrogance déclenche l'orgueil, la, la, la vanité dans notre vie. Finalement, à un certain moment, déclenche la méfiance et l'insécurité, qui nous cache d'ailleurs. Jésus nous rappelle tout simplement que nous devons rechercher l'humilité et la simplicité dans notre comportement, dans notre vie comme chrétien. Le publicain, lui, il sait que c'est un pauvre pêcheur. Le publicain, lui, il sait que c'est un homme de cache-cache. Le publicain, lui, il sait, il prend conscience que c'est un corrompu, que c'est un corrupteur. Il prend conscience de ses limites devant le Seigneur. Il prend Vraiment, il prend réellement conscience. C'est à quoi le Christ de Jésus nous invite de prendre conscience de nos insuffisances, d'éviter de nous croire que nous sommes suffisants. La personne humaine, elle n'est pas suffisante car elle dépend de Dieu, la source de toute vie, la source de toute bonté. Le pharisien, lui, il a parlé de lui-même. Il est plein d'orgueil, il est arrogant, il est un homme qui s'auto-évalue. Il est dans le narcissisme. Il parle de lui-même. Mais Jésus nous invite, dans cette page de l'Évangile, d'être humble, d'embrasser l'humilité et se reconnaître suffisant, pas devant le Seigneur, mais insuffisant devant le Seigneur, que lui, le Seigneur Jésus, par sa prière, par sa présence dans notre vie, nous comble. Il est la médiation de notre vie devant le Père. Il prie pour nous, bien-aimés dans le Christ. Saint Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, il insiste pour dire le chrétien, c'est lui qui se donne. Le chrétien, c'est lui qui a fait sa course et il remporte la couronne qui ne se flétrit pas. Paul dit lui attend. Il a fait son devoir de chrétien, d'apôtre. Il attend la couronne qui ne se flétrit pas. Nous devons avoir la même attitude d'attendre la couronne qui ne se flétrit pas, qui vient du Seigneur notre Dieu. Pas nous couronner nous-mêmes. Dans notre vie, on voit des gens qui se couronnent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Non. Si nous sommes chrétiens, ça, ce n'est pas la voie à suivre. Recevons l'humilité. Soyons pauvres devant le Seigneur, car le Seigneur écoute toujours la parole du pauvre. La première étude d'aujourd'hui, Ben Sirac le sage nous le dit. Clairement que nous devons attendre de Dieu qui est le Dieu de justice, pas le Dieu des gens qui sont arrogants. Mais le Dieu des justice, en d'autres termes, lui qui donne en temps voulu ce que nous avons besoin, lui qui nous accompagne, lui qui est avec nous, lui qui est le Créateur, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre refuge, c'est à lui que nous devons épuiser la sagesse. La sagesse de ne pas perturber, de ne pas abîmer la source qui a étanché notre soif. Dieu notre Père est la source de toute bonté. Branche-nous. À Lui, afin que notre prière puisse être une prière authentique. En d'autres termes, une relation profonde avec Lui. Et élevons-nous lentement et sûrement, en vivant de l'humilité, de la simplicité, dans notre prière, afin que le Seigneur Dieu, par Jésus le Christ, nous accompagne toujours. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.